Sois fair play. Évite de faire des fautes. Attention, Chiré n'est pas marqué. Bon, c'est vraiment un film qui cherche à humaniser les conflits, à faire passer un message de façon attractive à des porteurs d'armes qui sont souvent des jeunes et qui sont peut-être moins intéressés d'entendre des messages complexes sur le droit, etc. Et donc si on a quelqu'un qui est une idole pour beaucoup de jeunes, en tout cas quelqu'un qui connaissent, qui reconnaissent parce qu'ils sont passionnés de football, parce qu'ils l'ont vu soulever le trophée de la CAN il y a 2 ans, ça peut vraiment aider à faire passer le message. Je suis fier de pouvoir générer des bonnes ondes sur ce message-là et continuer à avoir de la parole sur le fait d'avoir la paix dans le monde. Et aujourd'hui, sur le continent africain, je pense que le fait de respecter les règles et le fait d'humaniser les conflits, on va avoir plus de sécurité au niveau de la population, au niveau des citoyens, et avoir un futur plus grand. Et j'espère que c'est le chemin qu'on va prendre dans le futur. Et donc de nouveau, pour nous, ça a été crucial de pouvoir nous associer avec Kalidou Koulibaly pour pouvoir mener à bien ce projet. Souci de l'impact que peut avoir ce film, surtout auprès des jeunes, puisque ce sont eux la cible. Vous inscrivez dans une démarche de prévention, mais en même temps, il y a aussi les causes qui amènent ces jeunes à accepter de prendre les armes. Alors, comment agir sur les causes pour mieux prévenir? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs, hein, et puis les causes, elles sont aussi des causes sociales ou dans l'environnement dans lequel on se trouve aujourd'hui. Il y a différents facteurs, il peut y avoir la pauvreté, l'insécurité, le manque de perspectives d'avenir. Pour les jeunes, c'est certainement un vrai problème. Donc, ils sont quelque part exposés aussi à être enrôlés ou à devenir comme ça des porteurs d'armes dans différentes situations, bien malgré eux, très souvent. Donc, c'est vrai que souvent, ils sont des porteurs d'armes. Donc, ils ont des responsabilités par rapport au respect, notamment des civils. Mais ils sont aussi eux-mêmes très souvent dans une situation de vulnérabilité qui fait qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Et ça, c'est vrai que c'est des questions qui sont beaucoup plus profondes et qui sont sociétales et sous-jacentes, sur lesquelles il faudrait que tout le monde se mobilise, pas seulement nous, avec un message qui finalement est ponctuel par rapport aux règles pour respecter les civils, éviter de tirer sur des civils, éviter d'avoir des actes de violence sur des civils, etc. Donc, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont aussi sur lesquelles il faudrait qu'on travaille. Et il faudrait que finalement beaucoup de monde se mobilise. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a un gros travail à faire parce que les problèmes sont nombreux et complexes. Bien joué. Pas de faute, pas de carton. Soyons tous les défenseurs des plus vulnérables dans les conflits.